Mes chers élèves de CM2, cinquième année primaire, bonjour. Alors aujourd'hui, on va discuter sur le thème le cinéma. D'abord, j'évalue mon vocabulaire. Alors, il s'agit de repérer chaque mot et reporter son numéro dans l'illustration. Après, je coche tous les mots qui ont un rapport avec le cinéma et j'ajoute six mots à cette liste. Alors, bienvenue sur votre cahier, mon cahier de vocabulaire et de communication. Alors, voici la première activité. Il s'agit de repérer chaque mot et reporter son numéro dans l'illustration. Il s'agit de repérer chaque mot et reporter son numéro dans l'illustration. On a les spectateurs, la salle, le fauteuil, l'acteur, l'actrice, l'écran, le projecteur, les lunettes 3D, le ticket d'entrée, la caméra et l'affiche. Alors, voici les spectateurs. La salle. Le fauteuil. L'acteur et l'actrice. Voici l'acteur et voici l'actrice. L'écran. Le projecteur. Les lunettes 3D. Du ticket d'entrée. La caméra. Et l'affiche. Les spectateurs, mettez un s'il vous plaît ici. Deux, voici l'écran, pardon, la salle de cinéma. Voici les fauteuils, l'acteur et l'actrice qui jouent leur rôle devant la caméra. L'écran, le projecteur, les lunettes 3D, le ticket d'entrée, la caméra et l'affiche. Alors, notez tout cela. Hein. Alors, je coche tous les mots qui ont rapport avec le cinéma. Un bureau. Ça n'a rien à voir avec le cinéma, un peintre aussi. Alors, je vois une bande-annonce, un tournage, un dessin animé, un casting, un DVD et un scénario. Je répète encore une fois, une bande-annonce, un tournage, un dessin animé, un casting, un DVD, un scénario. Alors, ajoute ces mots à cette liste. On préfère ici de mettre, par exemple, le fond vert, ça a rapport avec le cinéma, le fond vert, un court-métrage, un film, des effets spéciaux, le caméraman, c'est le caméraman, le doubleur, on peut choisir aussi enfin, un metteur en scène. Voilà, un metteur en scène. Un metteur en scène, un court-métrage, un film, des effets spéciaux, le caméraman et le doubleur. Doubleur, ça veut dire qu'il joue le rôle de deuxième et joue le rôle à la place de l'acteur ou l'actrice principale. Alors, une bande-annonce, un tournage, un dessin animé, un casting, un DVD, un scénario.
et aussi un metteur en scène. Un metteur en scène, un court-métrage, un film, des effets spéciaux, le caméraman et le doubleur. Voilà. Alors maintenant, j'enrichis mon vocabulaire. Je coche le synonyme du mot gras. Il y a beaucoup de caméramans sur le tournage. Mes enfants aiment regarder des films d'animation. Mon père est un passionné du 7e art. C'est une star hollywoodienne. Alors les caméramans, est-ce que c'est cadreur, perchiste ou réalisateur? Alors, il y a beaucoup de caméras sur le tournage, ça veut dire des cadreurs. Mes enfants aiment regarder des films d'animation. Courts-métrages, films d'horreur, dessins animés. Mon père est un passionné du 7e art, ça veut dire du cinéma. C'est une star hollywoodienne, ça veut dire vedette. Alors, caméraman, ça veut dire des cadreurs. Film d'animation veut dire dessins animés. 16e art veut dire cinéma. Une star veut dire vedette. Barre l'intrus et ajoute un mot à chaque liste. Tu peux t'aider des dictionnaires. Alors, il y a cinéma, 5 cinématographiques et cinéastes. Caméléon, caméra, caméroscope, caméraman. Cadrage, cadreur, cadeau, cadre. Film, filmographie, fils, filmé. Scénariste, CD, scénario, scénarisé, scénario. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ajoute ici? Qu'est-ce que je dois faire? Je barre l'intrus. Alors, il y a 5. Il y a caméléon. Il y a cadeau, il y a fils, il y a scellé. Voilà. Classe les mots dans le tableau selon leur champ lexical. Alors, il y a œuvre de cinéma, tournage de cinéma, salle de cinéma et métier du cinéma. Alors, une comédie musicale. Un scénariste, un spectateur, un projectionniste, un clap, une rangée, un plateau, une perche. Un drame, une œuvreuse, un écran, un film d'aventure. Alors, œuvre de cinéma, tournage du cinéma, tout ce qui a rapport avec le tournage, salle de cinéma, métier du cinéma. Bon. Une comédie musicale, c'est une œuvre de cinéma. Un drame, c'est une œuvre de cinéma. Un film d'aventure. Alors, il y a trois. Une comédie musicale. Un drame. Un film d'aventure. Pour le tournage de cinéma, il y a. Pour le tournage, qu'est-ce qu'on trouve? Un clap, un plateau, une rangée, non, 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 un plateau, une perche. Alors, il y a un clap. Il y a un plateau. Une perche.
Pour la salle de cinéma, qu'est-ce qu'on trouve dans la salle de cinéma? Une rangée, un écran, un spectateur, un écran, une rangée. Pour le métier du cinéma, il y a un scénariste, un projectionniste, une ouvreuse, voilà. Une ouvreuse, une rangée, un projectionniste. Voilà. Pour l'œuvre du cinéma, il y a une comédie musicale, et quoi d'autre? Un drame et un film d'aventure. Pour le tournage du cinéma, il y a un plateau, une perche. Pour la salle de cinéma, il y a une rangée, un écran, un spectateur. Et pour le métier du cinéma, il y a un scénariste qui écrit des scénarios, un projectionniste, une ouvreuse. Voilà, c'est tout pour le moment. N'oubliez pas de tout noter sur votre cahier de vocabulaire de communication. Voilà, c'est pour le CM2. Merci pour votre attention et votre écoute aussi. On va voir d'autres vidéos sur notre chaîne Je Communique TV.